بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وتمسكوا بكتاب الله وسنة نبيه تفلحوا. ألا إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. أما بعد، قد قال الله تعالى في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر. توغون دي بون لا celui qui peut permettre nous pour nous rassembler dans la case aujourd'hui nous proclame secondaire nous témoigne son unicité et nous déclarer qu'il n'a pas aucun bon Dieu except Allah. Et nous témoignons que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'Allah se servite et l'Allah se messager. Pour aujourd'hui, ce qu'il nous peut proposer, c'est un petit retour dans l'histoire, une page de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un premier conseil qu'Allah ta'ala donne à ce prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quand Allah peut préparer pour commencer sa mission. Ça concerne le premier verset de Surah qui m'a dit dans l'introduction, Surah Al-Mudathir, Surah 74, particulièrement verset 1 à 7. Ce que nous voulons dire, c'est le message qu'il y a dans ce verset-là. Et dans quelle façon ce verset-là vient interpeller nous-mêmes aujourd'hui dans l'année 2013. Quelle pertinence ce verset-là qui nous révèle 14 ans dans l'année de cela, il y en a pour nous la vie aujourd'hui. Pour nous situer, contexte historique, ça va en verset là descend, comme nous l'avons dit dans Bukhari, dans le premier hadith qui nous lit, quatrième ou cinquième hadith, nous vous trouvons, que là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam explique nous, après qu'il finit la première révélation de la cave Hira, que Allah descend, cinq premiers versets dans Surah Alaq, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, après ça, finit une période, un break, une période que pas de révélation, fatratul. Wahi, c'est un break de la révélation. Après ça, le prophète racontait un jour, je suis mort, j'ai la voix qui criait moi. Quand j'ai dit, j'ai trouvé Jibril. J'ai trouvé sa même anse qui m'a trouvé de la cave Hira, j'ai trouvé lui. Et là, quand j'ai dit, mon père, je retourne à la case, je rentre, je dis à ma famille, Zamilouni, couvrez-moi. Zamilouni, couvrez-moi. Ben, couvrez-moi avec un molleton. Et là, Allah descend. Ça m'a premier verset, Surah Al-Mudathir. Tradition littérale de ce verset-là, Ya ayyuha al-Mudathir. Oh, toi, c'est lui qui finit enveloppé. Oh, toi, c'est lui qui finit enveloppé. Qum, djibout, fa anzir, averti. Donne avertissement. Wa rabbaka fa kabbir. Concernant ton Rab, proclame sa grandeur. Wa thiyabaka fa tahir. Concernant ton linge, nettoyez-les, purifiez-les, gardez-les propres. Wa rojiza fahajur. Concernant tout bon
quelque chose qui sale, tout bon quelque chose qui est malpropre, reste loin, écarte-toi de tout ce monde-là. وَالرُّجِزَ فَهَجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ. N'a pas besoin de faire faveur au djimoun avec l'espoir pour te gagner plus en retour. وَالِرَبِّكَ فَصْبِرْ. Et prends patience pour ton rab. Cette verset qui révèle dans un premier moment à prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je ne peux pas dire même, c'est la deuxième visite d'Ibril qui se manifeste là, descend. Et là, ce que nous trouvons, il y a plusieurs points qui disent bon, nous avons pesanti l'eau là. Tant qu'Allah a servi, Ya ayyuhal muddathir, Allah n'a pas servi ton Ya ayyuhal nabiyu, ou bien Ya ayyuhal rasoul, oh mon prophète, oh mon messager, non. C'est un ton rempli avec l'amour, rempli avec l'affection, oh toi, c'est lui qui vient d'envelopper. Un petit peu pareil, on dirait, ou bien aller, ou dire au garçon, non, non, moi, je ne vais pas dire, hein, Mohamed, viens à moi, hein, bonnet rouge, viens à moi, viens toi. On dirait, ou prend un petit ton qui remplit avec l'affection, hein, c'est misblé, allez, viens à moi, non, non, non. Ça, Allah fait pour montrer sa considération spéciale pour Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Et là, message qu'Allah descend, comme djibout. Remarquez, première révélation, premier lot qu'Allah donne à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est Iqra, lire. Premier lot, Iqra. Deuxième lot qui vient, Qom, Djibout. Ça, c'est un signal. Quand nous guettons l'islam même, c'est déjà un signal qui sa message qui te peut amener là, sa message qui peut descendre là, ce premier lot qui descend, c'est Iqra, il a trait avec lecture, avec la connaissance. Deuxième mot qui révélait, deuxième lot qui révélait, c'est Qom, Djibout, Djibout. Et pour faire comprendre qui, ce message-là, est tout à fait différent avec le concept traditionnel de la religion. Parce que bien souvent, nous allons dire, la religion est l'opium du peuple. La religion est endormie du monde. Il est endormie du monde. Il fait du monde, pratique un rite, endormie sous vigilance, sous le lit. Parce que pour ça, on va dire, comme dirait, mais l'effet somnifère qui est la religion est là. Oh, pour l'islam, il n'est pas dit tout ça. C'est la deuxième instruction qu'Allah donne à son prophète, Allah dit djibout. Quand on dit djibout, c'est action. C'est un dîn qui, depuis le commencement, a un signal qui est dîn là. Pas une vine pour endormir du monde. Pas une vine pour promouvoir une certaine forme de spiritualité dans ce qu'on appelle une spiritualité passive, ou bien égoïste, ou bien inerte, qui dit ça que du monde. Il occupe son propre salut, il monte la montagne, il prononce une certaine phrase pendant 10 ans, pendant 15 ans, il gagne paradis. Ce n'est pas ça, ça. C'est un dîn qui, absolument, comme on gagne un bout, premier mot, Iqra, deuxième mot, ou djibout. Djibout, comme. Djibout, parce que, aussi longtemps qu'il bon djimoun, pas djibout, ban faible, ban opprimé, pour condamner, pour vivre à zénou. C'est ça la vérité qu'il y a dans sa message là. Comme au Morassoul Djibout, parce qu'aussi longtemps qu'il y a un bon djimoun continue de dormir, un faible, un opprimé, pour condamner, pour vivre à zénou, devant un tyran, devant un insiste, devant un pharaon. C'est pour ça que sa message vient pour lever un bon djimoun. Lever un bon djimoun parce que dignité, l'humanité trouve dans ta position. Il faut de tout djibout au Morassoul pour que l'humanité découvert dignité qui est dans un faible, dans un opprimé, dans un monde qui peut subir l'oppression. Démarrage même, un message faux, un signal qui s'adigne là, donc qui l'orientation, donc qui direction, sa message dans qui direction lui permet de l'humanité. Et donc nous gagnons sa message faux, comme, en même temps qu'il peut dire djibout, Omar Rasoul Djibout, c'est qui quand il interpelle nous dans l'année 2013, Omar Rasoul quitte ton molton Djibout. Parce que ce molton là, confort qui est dans ce molton là, il est capable de venir une pièce. Il est capable de venir une pièce. C'est que nous aujourd'hui, nous sommes capables, surtout qu'il nous fait que dans l'hiver, nous commençons nos molton, nos pullovers, nous tout, nous bien, nous presser pour nous rentrer dans nous la 15, nous tordons pour nous sortir dans nous la 15, nous presser pour monter au lit pour dormir. C'est pour interpeller nous-mêmes. Nous, faire attention qu'il nous confort, confort de nous la 15 qui est bien chaud, confort de nous sofa qui est bien rembourré, confort de nous salon, côté là, les agréables, ou remote d'où la main droite, ou l'écran
canal sat avec 50 cents dans la main gauche, faire attention parce que ça est capable de venir une pièce. Parce que ça dîne là, c'est un dîne qui, première instruction, il commence par l'éducation, après l'éducation, tout de suite, ensemble avec l'éducation, une action, bizin, djibout. Djibout qui vous fait, ou anver, averti djimoun, averti man famille, averti man proche, averti autour de toi, qui nous progrès comme humain, nous salue comme humain, les trouve dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Qui aussi longtemps qu'il nous choisit pour amener la vie dans la rébellion, dans la désobéissance, dans la transgression, nous laver pour toujours misérable. C'est ça l'avertissement là, ça. Djibout averti. Wa rabbaka fakabbir. Proclame grandir ton Rab. Fais takbir. Dis Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. C'est une des plus jolies paroles que nous, la langue, sommes capables de produire. C'est une des plus jolies paroles que nous, la langue, sommes capables de produire. Dis-le 5 fois, 10 fois, 15 fois, 50 fois, 500 fois, 2000 fois que nous sommes capables. Reste en permanence. Faire nous-mêmes rappel qui, ça l'univers là, n'est pas, comme si je dirais, ce n'est pas un fruit qui ne vient par hasard, ça. Derrière tout ce qui est là, il y a un Rab qui est Akbar, un Rab qui est hyper puissant. Sa puissance est telle qu'il est plus grand que n'importe qui que chose que nous pensons. C'est pour ça que quand dans l'azan, c'est Allahu Akbar. Et quand Mouazine peut dire Allahu Akbar, si nous lisons en anglais, Allah is greater. Par là, nous allons dire, mais comment qui veut dire ça? Allah est plus grand. C'est pour faire nous comprendre que n'importe qui nous peut faire dans sa lèvre. Moi, dans la boutique, Mouazine fait un rappel que Allah est plus grand que dans la boutique. Moi, je ramasse casse, dans la foi, Allah est plus grand que la foi. Mais dans mon confort, dans mon agence, Allah le plus grand qui te confort. Dans tout ce que nous pensons, qui dans, autour de nous, il y en a beaucoup qui prétendent qu'ils sont grands. Grand djimoun, grand ministre, grand leader, n'importe qui, quelque chose qui nous considère comme grand, Allah le plus grand qui tout cela. Même quand nous guettons Maurice le grand, mais Allah le plus grand. La terre est là le grand, mais Allah le plus grand qui la terre là. Ça, l'univers est là le extra grand, mais Allah le plus grand qui tout cela. Tout ce que nous pensons, Allah est plus grand que l'infini. L'infini, c'est plus quelque chose qui est plus vaste que nous. Nous avons des difficultés d'ailleurs pour concevoir. Allah est plus grand même que l'infini. C'est le créateur de l'infini. C'est le créateur de l'espace. C'est Allah ça. Et comme on vient de faire appel, proclamer Allahu Akbar, c'est relativiser tout pouvoir, tout savoir et tout avoir. Quand nous disons Allahu Akbar, nous pouvons dire maître suprême, c'est Allah. Pouvoir suprême, c'est Allah. L'autorité suprême, c'est Allah. Et sa parole-là, c'est une parole qui n'est pas ordinaire, dit tout ça. C'est une parole qui, en lui-même, a une porte extraordinaire. C'est une parole qui, dans la détresse, il amène l'espoir. Allahu Akbar. Dans la joie, il amène l'équilibre. Dans le doute, il amène la tranquillité. C'est ça, Allahu Akbar. Dans n'importe quelle situation, c'est pour ça dans la main. Tomber, lever, dit Allahu Akbar. Quand vous levez, dit Allahu Akbar. Quand vous posez plein, dit Allahu Akbar. Quand vous tombez, quand vous êtes dans le sijda, quand vous êtes en bas, quand vous êtes blessé, quand vous êtes frustré, quand vous avez une déception, dit Allahu Akbar. Solution là, c'est là-dedans. Retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Assimile sa vérité là. Mais quel lien qu'il y a entre comme Djibout avec l'autre verset, proclame grandir ton Rab. C'est qu'il y a un lien bien subtil. C'est qu'il y a dans, Allah fait nous comprendre. Qui pour nous gagner la force, pour nous djibout avec Banzom, il faut nous apprendre à courber divin créateur de Banzom. Pour nous gagner la force, pour djibout, pour lutter, pour la dignité de Banzom, lutter contre un tyran, un pharaon, il faut que nous apprenne à courber divin la source de tout pouvoir, Al-Akbar. C'est ça, message qu'il a fait pour comprendre. Ça fortifiant pour nous la foi, source de la force, les trouve dans Allahu Akbar. C'est pour ça qu'à travers les temps, si Jimé, ban pharaon qui finit dans ban Namrud, vini même à travers les temps, tout ban tyran, ban despote joigne, je peux dire qu'il y a une de ban France qui n'amène de la fin, c'est Allahu Akbar. Prends des pirates que nous connaissons, disons Ibrahim, disons Namrud, vini jusqu'à Tahrir Square l'année dernière, sa parole qui nous fait beaucoup. Comme si beaucoup de pharaons tremblaient, c'est quand là, dans la masse, sa réalité descend qui est Allahu Akbar. C'est ça qui vient la force de la masse. Parce qu'il n'y a pas rien, tu n'as ça comme nous, comme hommes, je réussis à déboulonner beaucoup de pharaons, beaucoup de Namrud,
beaucoup de dictateurs qui te croient puissants. Oh, ça, c'est ça, la fausse. Nous avons dit, qui est incroyable, qui cache dans sa formule-là. Et d'ailleurs, ça rassure-là pour servir. Ça, c'est donc effectivement Allahu Akbar, qui pour amener tout ce que nous connaissons pour le sens de l'histoire. S'il y a une parole, effectivement, qui ne sens l'histoire de l'humanité, c'est Allahu Akbar. Prononce-le. Prononce-le avec l'amour, avec passion, autant de fois qu'il moins que nous sommes capables de faire pour vous. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. وربك فكبر وثيابك فطهر. Garde ton linge propre. Purifie ton linge. Vous faites comprendre qu'après qu'il dit, après que l'ordine descend, Omar Rasoul, Djibout, proclame grandir là, ce n'est pas proclame grandir là tranquille d'un petit coin, côté là, chacun concerné pour son propre succès. Mais quand on finit de comprendre qu'Allah Ta'ala c'est lui qui est Akbar, qui se la terre là pour tenir Allah, nous besoin de descendre dans sa mort. Tout le besoin de descendre dans sa mort. Shirk dans l'Arabie 14, ça va de cela. Côté d'un polythéisme, côté d'un shirk, côté d'un idole tout coincimé, côté d'un l'immoralité, sexe, l'alcool, sous les eaux, descendre pour nettoyer cela. Quand on comprend qu'Allah est Akbar, tout de suite, c'est un. Les associer avec la lutte, les associer avec combat. Mais dans ce combat-là, c'est qu'il ne nous a pas oublié nous-mêmes. Aussi longtemps qu'il nous a lutté pour faire qu'il donne nous la 15, c'est Allahu Akbar qui régnait. Et non pas aujourd'hui, moi ou en 2013, ne pose de questions. Qui est quelque chose qui est Akbar dans la 15? Qui est quelque chose qui est peinant? Ben, membre dans ma famille pour stresser, pour malade, pour ne pas vivre. Ou vous trouvez qu'il y a les autres quelque chose. Et là, vous dites télévision qui est Akbar. Ou télévision en panne, vous dites toi, pas capable de vivre. Et n'a jamais mangé qui Akbar. Ou bien mon portable qui Akbar. Ou bien Internet, Facebook qui Akbar. Nous, bizin. Quand nous comprenons Allahu Akbar, fait qui dans mon lacasse, quand on demande dans mon lacasse, bizin d'intention, quand peine fait un namaz, tout le monde sont toujours malade. Parce que dans, là, nous comprenons qui nous réussi, amen, nous réussi, actualise Allahu Akbar dans mon lacasse. Amen, sa dimension qui Allah Ta'ala bizin passe avant tous les restes. C'est ça qu'elle a dit. Mais en même temps, autour de moi, et surtout dans moi, ce qui ça travaille là, c'est le besoin purifier mon intérieur et mon extérieur. Tu peux descendre dans sa mort, dans sa société, côté de l'immoralité, côté de la corruption, côté de la fraude, mais fais attention qui ça, mal propre, là, pas tous en toi. À force, trop corruption, pas scandale, white dot, pas là-bas 700 millions, l'autre là-bas 50 000, 30 000. Qui finalement nous banalise la corruption. Dire, ben, un petit lambe, moi, un simple policier, un petit enveloppe sans roupie qui n'a pas besoin de rien, ça. C'est ça. Fais attention, qui, sa malpropreté, n'a pas besoin de tout ce que tu l'aises. Fais qui, dans sa société, que tu as besoin de beaucoup de choses malpropres, tu n'as pas tenté, quand tu as 40 millions, tu n'as pas besoin de rien. Les autres peuvent jouer par 1000, 2000, mais moi, un petit 20 roupies, moi, cotiser ensemble avec mon collègue de travail, qui n'a pas besoin de rien. Fais attention. God to lens propre. Pas laisser sa souillure, sa malpropreté là, vient tous avec tout lens. Parce que sa propreté là, il besoin dans l'équerre, dans le cerveau, quand Allah Akbar descend, mais il besoin reflète également dans ta personnalité. Il faudrait que sa personnalité, personne ne va monter les doigts de la société. Voici Baka Fatahir. Warrujiza Fahjur. Reste loin avec tout ce qui est sale, tout ce qui est malpropre. Voici Baka Fatahir. Warrujiza Fahjur. Wala Tamnun Tastakfir. Il n'a pas besoin. Ça, c'est ici, Allah vient comprendre. Le premier verset, la première instruction qu'Allah descend de son prophète pour faire lui comprendre avec quel état d'esprit de commencer à travailler là. Avec quel état d'esprit. Voilà, tamnon, tastakfir. N'a pas besoin, quand tu fais faveur à un djimon, tu attends plus en retour. Ça, en lui-même, les djimon, nous sommes capables de dire, grande réflexion, qui concerne tout l'aspect de nous la vie. Tout l'aspect de nous la vie. Si aujourd'hui, nous tous ici, nous vivons, ban relation côté la tension, côté la friction, dans nous la 15 ans de mari-femme, des enfants, parents. C'est parce que à l'origine, nous sommes poussés par nous l'égoïsme, nous ne rentrons pas dans une relation d'amour, un peu une relation commerciale. Bon, moi, je donne toi ça, qui te donne moi en retour. Tu te rappelles, pour ton anniversaire, moi, je donne toi un churidar cadeau, mais là, hein, moi, je vais te faire, mais tu rien, ça va te répondre, tu te donne moi, qui vous fout, toi, hein, ni ma carambe comme ça, et la 15 pour rester. Parce que, à la base, nous construisons nos relations, l'eau, ça, bon, quand on donne toi ça, qui m'a gagner en retour? Mon frère, je rentre de la case, mon trimé, mon aide autres, mon faire overtime, mon travail samedi, dimanche, mon donne d'autres casse pour couler dalle, pour mettre mort. Les arrivent autour,
Pour 11 la case, non, rien. Pas gagner, rien. Et rien, c'est parce qu'ils m'ont donné avec l'intention pour gagner plus en retour. Aujourd'hui, il y a des parents qui vivent une véritable dépression parce qu'ils, quand ils font ce bilan, ils travaillent pendant 20 ans, pendant 25 ans, ils prennent mon petit amène les leçons. À la tante, nous autres, dans la cité marchale, jusqu'à 9h30 à soir, dans Frécé, prends le mot de suite, retourne la case. Fait ici, fait l'université, à quitter. Aujourd'hui, mon petit fils est marié. Dans l'Afrique du Sud, mon garçon, il fait ACCA, il est marié, il prend un petit appartement dans Eben, il dit que sa femme travaille, à peine un court téléphone par semaine. Right? Moi, je dis que mon mazine ça, mon dépressif, comment ça, mon aigri, comment dire mon makara, mon propre enfant, peine de venir reconnaissant vers vous. Et rien. Ici, l'Antlab explique qu'il l'attitude d'un musulman dans sa relation du monde envers du monde. Jamais, quand vous faites une faveur du monde, vous faites une faveur avec l'esprit pour un plus en retour. Ça, c'est fausse. Ça. Dans nos relations avec du monde, c'est Allah au milieu. Dans nos relations mari-femme, c'est Allah au milieu. Moi, contente-toi la cause Allah. Moi, vous donne-toi la cause Allah. Et non pas, moi, vous donne-toi, et si moi, tu n'as pas perdu ton, si par exemple, je commence la guerre, tu connais, moi, je m'en vais à toi, rien, moi, si tu n'as pas un décampement, tous les deux frères, ils tapent, moi, je n'ai rien, mais qu'est-ce que tu as, je vais dire, tu me donnes la case, qui vous fait que ça? Parce que, tout une base, là, une espèce mathématique qui, quand je vais donner-toi ça, qui te peut donner mon retour. Oh, dans l'islam, ben, première instruction, qui Allah descend de son prophète, les concerne, nous jusqu'à la fin des temps, l'attitude qu'un musulman, c'est ça, qui capital, l'attitude, l'état d'esprit, avec qui mentalité nous construit une relation avec un djimoun. Et dans nous, qu'il soit dans ma zid, qu'il soit avec mon voisin, qu'il soit envers mon papa, mon maman, qu'il soit envers mon madame, envers n'importe qui, base, c'est que quand je vais donner toi la cause Allah. Et d'ailleurs, nous trouvons ça, mais ça, c'est une fraude. Quand Allah fait comprendre, bon, c'est évident, il ne m'a pas dit, comme les wajihil, man qui donne, et man pauvre, et man djimoun, man skin, man orphelin, j'ai l'état d'esprit, il ne m'a pas dit, comme les wajihil. Très certainement, nous faisons donner, j'ai manger la cause Allah. La nourriture, même comme djaza, ou la choukoura. Nous ne pas attendre des autres, non, rien, ni djaza, ni récompense, ni remerciement, parce que nous donnons la cause Allah. Aujourd'hui, gros problème, c'est ce qu'on appelle expectation. Nous avons high expectation, nous attendons beaucoup avec Jimoun. Marie l'attend beaucoup avec sa femme. Femme l'attend beaucoup avec son mari. Parents attendent beaucoup avec les enfants. Finalement, nous trouvons un stress. Et non, tout, dans la case, tout Jimoun dépressif, parce que chacun sent-il qui, son conjoint ou bien son partenaire, tu connais ça, quand tu peux arriver, quand tu peux arriver, comment moi, mon arrivé. Ça, quand tu me donnes toi là, encore tu peux pas donner moi. Mais non, on est fausse. C'est question. Quand nous sommes dans l'islam, à la base, c'est que l'islam, c'est le don. Et il y a une philosophie du don qui est centrale dans l'islam. C'est pour ça que quand nous sommes dans le surah Al-Walayl, Allah fait comprendre, en ce qui concerne celui qui donnait. Qui donnait. Et de construire ce taqwa Allah, de construire ce relâche avec Allah. Et de husna. Les croient dans le bien face à nous yassirouhou lil yusra. Nous pour faciliter ce chemin vers le bien. Ça dit mon là, comme Ibn Abbas dit dans le tafsir, ça dit mon là, nous mettons dans une prédisposition pour faire le bien. Quand il comprend, quand il adopte ce qu'on appelle la philosophie du don qui est centrale dans l'islam. Donner, c'est ça l'islam. Et quand nous dans ce verset, amman a'ta, pour celui qui donnait. Donne quoi, Yallah? Qui vous donne, Yarab? Allah peine dire. Tout. Il ne faudrait pas nous faire erreur, croire que quand nous dit donner, c'est juste l'argent. Non, c'est erreur. L'argent, c'est un parmi quelque chose qui nous donne la société. Et n'est pas quelque chose. Que l'islam dit, nous donne-nous l'attention, donne-nous l'amour, donne-nous sympathie, donne-nous l'affection, donne-nous tendresse, donne-nous le temps, donne-nous connaissance, donne-nous conseil. Tout cela, c'est quelque chose qu'il est capable de donner. Personne n'est capable de donner. Moi, si tu es pauvre, qui n'est pas capable de donner, moi, mon visage, il se prend. Il se recevoir. Fausse. Tout le monde concerné par donner. C'est ça, c'est ce qu'il nous dit, la philosophie centrale du don. Donner, donne la cause à Allah. Donne la cause à Allah. Pas donner pour regagner en retour. Parce que tout de suite, Allah dit, face à nous, il y a sirou. C'est-à-dire, nous pouvons créer dans nous une prédisposition pour faire le bien. Ou tout, il y a un djimoun, alhamdoulilah, dans la société, qui est un véritable infatigable. D'en faire le bien. Ou quand tu as 24 ans, 65 ans, quand tu sortis quand là, moi sorti, moi quand j'ai mon belle-sœur une maillette quand j'ai bossé là-bas. J'ai là-bas, mais quand tu vas aller ça, mon père connaît mon voisine une blessée là dans l'hôpital de Nouvelle Guetli. Donc quand tu m'as tout calé dans mes saf. Na mans fini prend son courant de lui. J'ai regardé comment possible ça. Et na dit mon qui na 5 fois plus casse qu'il est, et il y a une essence un petit pension 3200 roupies, mais c'est mal, ils vivent dans donner, dans partager, dans offrir. Ils ne comprennent la base. Effectivement, là, j'ai fait ça, nous, il y a 0 euros, l'il y a 0 euros. Pour ça, j'ai dit, là,
nous mettons une prédisposition pour faire le bien. Un chef peut passer, tout un lycéen. Un lycéen tape d'une pièce. Il tape d'une pièce. Finalement, il y a les lycéens là, peut débattre, peut y aller, peut crier avec la race. Il y a les pour aller essayer de tirer. Lycéen la mort de lui. Lui qui l'est. Lui rien aller encore, il y a les essayer, il y a dire l'autre pièce. Lycéen la rien mordi deuxième fois. Un jour, il passe avec des temps, pas là. Lui mordi des fois, il continue à l'enlier, mais encore, il continue à le tirer. Il dit, tourné, lui son attire, c'est mordi. Moi, mon attire, c'est Edban qui est dans détresse. Il ne faut pas qu'il n'attienne les chiens sans mon attire. S'il réussit sans mon attire, mais lui, je vais venir la femme, pas moi. Lui, je vais venir calife, la terre, pas moi. C'est ça la société. Pas laisse la société son mesquinerie sans bonté naturelle qui est dans haut. La bonté que l'islam produit dans nous. C'est ça qui nous sommes capables d'apprendre à donner. Apprendre à donner la cause à Allah sans qu'il nous attende non et tout. Enfin, ça d'accord, il faut que qui croit dans le bien. Croire dans le bien, c'est vous faire le bien, pas à cause du monde qui tout. Right, à cause de la caméra NBC, là où vous venez vous faire dîner pour troisième masse, ou passer la mélo la tête, là où vous faites la caméra NBC. Faire le bien. Faire le bien, ou faire le même qui en retour, l'islam la mort où, mais vous essayez de tirer dans les difficultés parce que dans nature, c'est que l'islam pousse où, c'est donne où l'attention pour soulager des très bonnes créatures qui sont dans les difficultés. Je vous remercie de vous dire que je vous remercie de vous dire que vous êtes un musulman qui vous dit que vous êtes un ghafour rahim. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Ce qui nous peut s'égiter, c'est la première instruction qu'Allah donne à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme a révélé dans Sourate Al-Muddathir, verset 1 à 7. Ce que nous trouvons, comment c'est un message, début du commencement, qui pousse vers l'action. Comme Djibout avertit la société pour protéger les autres. Et sous central, c'est relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar. وربك فكبر فتكبير بتراب reste en communication avec ton Rab, reste en communion avec ton Rab, proclame grandir ton Rab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mais seulement en même temps avec quel état d'esprit bien faire bien aborde la société et central ça bout que Allah dit wala tamnun tastakfir, faudrait pas qu'il te faire te rendre mon service avec l'espoir pour un plus en retour. C'est qu'il a dans et il a une subtilité extraordinaire. Qu'Allah t'a capé descendre, ma première verset, ma première instruction à son prophète, il va lui comprendre une quelque chose qui, dans l'islam, ce que nous fait dire, c'est qu'il thème central, nous sommes capables de dire, une philosophie centrale dans l'islam, c'est la philosophie du don. Comment besoin donner. L'islam, c'est le don. Et quand nous vous comptons, nous vous devez l'amour, c'est le don. Quand nous comptons un dimon qui nous donne. Et nous donner, et le vrai amour, c'est un don qui est gratuit, sans arrière penser. Sans calcul, sans condition, sans attente. C'est ça, vrai l'amour. Allah t'a subtilement fait descendre, qui sa message qu'il fait descendre là, c'est un message de l'amour, ça. Tu fais descendre pour le salut de l'humanité en entier. Pour tous les efforts des milliards et des milliards du monde pour sauter dans noir et pour rentrer dans la lumière. Mais en retour, pas tant non avec personne, ni même un merci. C'est ça, Allah peut préparer sur Rasoul. Indirectement à nous, pour nous comprendre comme musulmans, nous sommes dans la société, un demande. Nous sommes capables de dire message, une dimension de nos messages, c'est donner. Nous devons dire donner, les pas conscients, zis, l'argent. Donne ce que nous sommes capables, nous l'attention, un call téléphone, un dimon qui est blessé, une visite dans l'hôpital pour une personne qui est malade. Tout ce que nous sommes capables, un petit temps de ration pour un dimon qui est en difficulté. C'est que nous sommes capables de comprendre que donner, ils font partie de notre vie tous les jours. Ça. Pas faire errer à croire que moi, mon correctement, parce qu'une fois pas banané, je tiens un chèque, je quitte Zakat, d'abord tout le mal, veut dire, là, je finis faire mon travail, l'année prochaine, à celle de Ramadan, je tiens l'autre chèque. Non. Sa action donnée là, il est bien présent dans notre vie tous les jours. Présent dans notre vie tous les jours. Il concerne tout le monde. Il ne faut pas nous penser, moi, je suis trop pauvre pour donner. Tout le monde, il est bien posé la question qui est capable de donner. Et quand nous ramène dans nous, dimension, dans nos familles, c'est que l'état d'esprit, c'est donner la cause à Allah. Donne au papa, donne au maman, donne aux frères, donne aux madames, pas avec l'intention, bon, je vais donner toi là, je vais dès qu'il arrive, tout, qui te vous donne moi. Non, c'est je vais donner toi sans arrière penser, sans calcul, sans aucune attente. Voilà, c'est là que nous avons envie.
Amen. La vie que peine à stress, peine à dépression, peine à l'angoisse, peine à l'amertume, c'est vivre avec Dieu, avec cet esprit clair là. Donne Dieu tout ce qui est capable, ou nous redire, ou l'attention, ou l'amour, ou sympathie, ou pitié, sans attendre rien en retour. Et d'ailleurs, dans son travail, elle termine par sa message arrive une fois. Quand Allah peut dire, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Ça m'a laissé dépenser, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Je n'ai pas tant faveur en récompense de personne, illa batira a wajhi rabbih al-a'la, excepté plaisir de notre Rabb al-a'la, celui qui est plus haut. Et Allah termine ça super, Allah termine ça pour dire, wa la sawfa yarda. Ça dit mon là, il peut donner satisfaction. Aujourd'hui, en 2013, ça dit mon là, il n'est pas pour stresser, il n'est pas pour dépressif, il n'est pas pour amer, il n'est pas pour aigri, parce qu'il jamais n'est pas n'attendre rien de personne. Il nous donne la cause en là, il nous partage la cause en là, il nous offre la cause en là, il attend une récompense, juste avec Allah, non, il n'y a même pas un merci, avec même son plus proche, ni avec son maman, son frère, son madame, ses enfants, il n'est pas attendre rien. Un tel état d'esprit, depuis à peine Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, met péron pour sortir pour faire dawa, Allah descend sa vérité là. Si nous aujourd'hui nous avons retiré stress depuis dans nous la case, il stresse dans nos familles, c'est nous faire réassimiler sa vérité là. C'est qu'ils vivent et comprennent sa philosophie du don qu'il y a dans l'islam. Donner la cause à Allah, c'est ça qu'on amène, sa notion de tawhid dans nous la case. Pas plus tard qu'aujourd'hui, il y a un crime, ça fait 20 ans, il est suicidé. Et quand il peut se suicider, il quitte un autre, il dit, je peux suicider, m'attendre que mon papa et mon maman se t'arrêtent de la guerre aujourd'hui. C'est parce qu'il donne là qu'on peut vivre un véritable drame, tiraillement, frustration. Une demande cause frustration, c'est effectivement quand nous démarrons une relation même, je peux marier à toi là, hein, je peux te quitter de moi. Et rien. Je peux marier à toi, je peux compter en toi, et je peux te chaque jour qui m'a capable de donner toi la cause à Allah. Quand à Tawhid, nous assimilons au centre de la famille toutes nos visions changées, nos perceptions données, nos perceptions prennent, tout changé et nous perceptions relations même changé. Nous demandons à Allah fait que nous devons ici, moi et vous, nous réussissons, comprenons, nous réussissons assimiler. C'est ma première instruction qu'Allah descend à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que nous réussissons, prends-le et l'idéal, c'est quand nous sortons là, chacun essaie de prendre le Coran. Qu'il soit anglais, français, oudou, créole, si vous êtes capable, essayez de faire une petite méditation. L'eau, ça, sept premiers versets de Surah Al-Muddathir. Nous demandons à qui ça les vient, une source de lumière. Dans nous la vie, dans nous la case, dans nos bastilles, dans nos diamants, partout où vous mettez. Nous récits comprend, vive avec takbir, mettre Allahu Akbar au centre de nous la vie. Protège nous-mêmes, vine bandimoun qui, pas pour vine bandimoun, paresse, qui pourrait se dormir, mais c'est la bandimoun qui vous lever pour essayer, donne à la société ce qu'ils sont capables. Et nous redire, donner, c'est pas juste l'argent, c'est le temps, c'est l'éducation, c'est connaissance, c'est l'attention, c'est sympathie, c'est tendresse. Et na, et c'est un sourire c'est un don. Enfin, et n'a dit mon aujourd'hui, l'instant avant qu'il lui-même, il n'est pas capable de donner un sourire. Donner un sourire, c'est un don, ça. C'est un cadeau qu'il peut faire. Minimum quelque chose qui nous capable, parce qu'il n'est pas coûte rien. Nous apprendre, vivre, ben, dit mon qui est effectivement capable d'offrir tout ce qui nous a autour de nous. Donne-nous la cause en Allah avec l'intention pour attendre récompense. Juste avec Allah et Allah tout seul. Nous demandons à Allah qu'il nous vive avec iman, nous mourons avec iman, nous relevons avec iman de l'Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-Nabi. Ya ayyuhallathina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المظلومين في فلسطين وأفغانستان وفي العراق وفي الكشمير وفي البورما وفي سوريا وفي الشام وأينما يكونوا مظلومين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم ارحم فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. إن تعذبنا لا طاقة لنا وإن رحمتنا فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اشكروا الله على نعمه وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.